Jane. En dacht ik, oh, als je dan in de deur van Huizen het Hondhuis. Huizen het Hondhuis is deel van het Amsterdam Museum. Al sinds jaren dag was het deel van de gemeentelijke collecties, maar wij beheren het meer programmeren. Dit huis was toen vanaf de 17e eeuw altijd een woonhuis. De tweede helft van de 19e eeuw kwam hier een echtpaar te wonen. Abraham en Louisa Hondhuis. En vanaf het moment dat ze hier kwamen wonen, hebben ze dit huis helemaal veranderd. Aangepast aan hun smaak. En hun smaak was best bijzonder in de tijd. Het was het einde van de 19e eeuw leefden ze. Maar ze vonden de stijl mooi uit de eeuw daarvoor. Uit de 18e eeuw van de Franse Louis XVI-stijl. Ze hebben het helemaal opnieuw laten inrichten. Abraham en Louisa waren beide uit zeer vermogende families. Dus beide hoefden niet te werken voor hun geld. Ze konden rentenieren. Nou, rentenieren zou je zeggen, doe je niet zoveel, maar ze deden heel erg veel. Ze verzamelden kunst. En daar waren ze misschien wel een zeer verdachte dag geweest. Het huis is één mix van stijlen. 17e verschillende kunst, maar ook architectuur. Een 18e eeuwse marmeren trappenhuis. En 19e eeuwse decoraties en interieurs. En kopies eigenlijk zijn. Ze kon wel wel. En dan hebben we ook nog een tuin uit 1972 in neobarokstijl. Kortom, één groot patchwork. Het echtpaar had geen kinderen, maar denk je toch dat in het huis dolle bende was? Je weet uit reisbeschrijving dat er minimaal 4 of 5 honden in dit huis waren. En ook katten. Het interessante is dat Louisa haar liefde voor deze dieren ook vertaald heeft letterlijk aan opdracht aan kunstenaars om die honden en katten te portretteren. Dus we hebben een aantal hele mooie, interessante en ook gekke portretten van hun beesten. Het echtpaar heeft hier bijna 40 jaar gewoond. Abraham stierf in 1888. En een paar maanden daarna heeft Louisa in haar testament laten opnemen dat zij dit huis en alle collecties na wil laten aan de stad. En dan is het 5 jaar later dat zij zelf overlijdt. En op dat moment krijgt de stad dit dus aangeboden. En wat beslissen ze dan? Accepteren we dit of niet? Ze weten hier niet zo goed raad mee met deze collectie of met dit huis. Maar er is ook een hele belangrijke bibliotheek. En daarom heeft de gemeente gezegd, we aanvaarden het geschenk en daarom is dit een museum geworden. Bezoekers kunnen hier zich helemaal onderdompelen in wat Abraham en Louisa hebben gemaakt hier eigenlijk en verzameld hebben. En tegelijkertijd zijn we de komende jaren bezig om te kijken welke verhalen worden niet verteld. En hoe zijn ze verteld? Bijvoorbeeld, wat is de relatie tussen Abraham en Louisa? Dat blijkt in één keer dat de afgelopen eeuw er vooral mannelijke conservatoren hebben gewerkt. Die vooral allemaal ingezoomd hebben op Abraham. Zo Louisa had het geld en ze had degelijk ook een hele belangrijke stem in alle acquisities. De komende paar jaar gaan we elk half jaar een kunstenaar, een verzamelaar, gaan we de sleutel uit handen geven van het huis. En we nodigen deze makers, denkers, creatieven uit om ingrepen te doen. Kleine interventies, grotere interventies. Hun eigen collecties, hun eigen werk in te brengen. En we hopen op die manier dat het publiek ook weer helemaal open gaat staan en ook de link snapt met nu. Forum is a space where activism meets art and fashion. An education in expression, performance and privilege. Forum culture was created and shaped by African-American and Latinx trans women and queer people in Harlem, New York in the 1970s. Balls are the central events where we come together to compete in various categories on the runway. These are the spaces where we can express ourselves freely through our bodies, our fashion, our language, and our performance. Here, we determine the norm. We are House of Vineyard, the first ballroom house in the Netherlands, founded in 2014. We form a chosen family of about 30 people. Home is a space we create wherever we come together. What if this home would physically manifest? What if we would make Hayes Villa to Holthausen our own? We reimagine, repurpose, and intervene within the house, responding to the stories these rooms tell and claim space for our own stories. Find the artistic voices of the house as we engage in a dialogue between the fantasies of the original owners and the world as propositioned by Ballroom. This is our Grand March, a celebration of queerness, a testament to the enduring human spirit
and a tribute to those who refuse to be invisible. Elle est visible de la rue. Dingue. Cette maison de canal n'a pratiquement
plafond, vous pouvez apercevoir un petit fragment exposé de fleurs et de fruits sur un fond vert clair. Louisa et Abraham ont fait peindre cette pièce entière avec ce motif floral exubérant. Un plafond spectaculaire est donc caché sous la peinture blanche. Les murs, également, avaient cette même teinte verte douce. La splendeur florale est également clairement visible dans les deux tableaux que le couple a fait réaliser pour cette pièce par l'artiste Charles Rochus. Il a peint deux déesses, à gauche Flora, la déesse du printemps, et à droite Pomona, la déesse des fruits. Cette maison a été construite à la fin du XVIIe siècle. De nombreuses pièces du premier étage étaient employées à différentes fins. Elles étaient donc multifonctionnelles. Ça dénature un peu. Vous voyez ici les revêtements, les meubles, mais aussi le gigantesque buste et la pendule sur la cheminée sont de fabrication française. En 1865, les six tentures murales, le panneau au-dessus de la porte et le tapis sont commandés à Branguenier à Paris. Ils ont été livrés la même année. Le tissage du tapis a pris plus de 3 mois. La redécoration de cette pièce est estimée de nos jours à plus de 60 000 euros. Ah oui, c'est vrai. Ils ont pu se le permettre principalement grâce à la fortune de Louisa. Il est exceptionnel qu'un tel intérieur ait été préservé. Pendant longtemps, cette période a été décrite comme l'époque LED et de nombreux intérieurs de ce type ont été démolis au fil des ans. Ouais, voilà, chaque fois il y a... Ah, et là on est sur le canal. Cette pièce a longuement été connue sous le nom de pièce de maître. Cet espace étant principalement utilisé par Abraham pour faire découvrir sa collection à ses amis. Il a également longtemps été supposé qu'Abraham était à l'origine de la collection et que Louisa y avait joué un rôle beaucoup plus modeste. Mais est-ce exact? Ou le rôle de Louisa a-t-il été sous-estimé depuis le début? Louisa a reçu de ses parents une éducation culturelle riche et a beaucoup voyagé en Europe tout au long de sa vie. Nous savons également que l'argent utilisé pour la collection provenait de Louisa et qu'elle faisait également des achats sans consulter Abraham, ce qu'elle a continué à faire après le décès de ce dernier en 1878. Mais Louisa n'était pas aussi libre qu'Abraham de participer à la vie culturelle d'Amsterdam. Dans des sociétés comme Arti et Amis Sitié, les femmes jouaient un rôle beaucoup plus modeste. Ce n'est qu'occasionnellement qu'étaient organisées des expositions d'art pour dames. Les œuvres d'art présentes dans cette salle ont été sélectionnées par l'équipe actuelle du musée d'Amsterdam. Outre les peintures et les antiquités, Abraham et Louisa ont également
également collectionné des gravures, des dessins et, très moderne pour l'époque, des photographies. Ces objets permettaient à Abraham et Louisa de voyager loin dans leurs esprits, par exemple sur les places vénitiennes. Pour le nettoyage et le polissage. Astiquer était presque un travail à plein temps, car tout devait être impeccable. La maîtresse de maison, Louisa en l'occurrence, établissait un planning de ce qui devait être fait et quand. Chaque pièce devait souvent être nettoyée à un jour précis. Et il y avait une hiérarchie stricte parmi le personnel. Louisa, après son mariage et son déménagement en Suisse, Louisa et Mathilde sont restées en contact. Dans le testament de Louisa, Mathilde a également reçu un héritage complet pendant la Seconde Guerre mondiale, appuyé sur le coup de gauche. Nous savons même quel livre était dans quelle bibliothèque. Il y a quelques années, nous avons pris la décision de redonner à cette pièce sa gloire d'antan. Auparavant, cette pièce avait été utilisée comme chambre à coucher. Sur la droite se trouve un grand tableau. C'est un portrait d'Abraham en tant que membre de la milice au XVIIe siècle. Le portrait reflète bien son intérêt pour les costumes historiques, les armes, la généalogie et l'héraldique. Tous ces sujets peuvent également être trouvés dans la vaste collection de livres d'Abraham et Louisa. Vous trouverez également des manuels, des ouvrages de référence et des magazines sur les collections et l'art, en particulier sur les arts décoratifs et l'histoire de l'art. Il n'est donc pas vraiment surprenant que l'Institut d'Histoire de l'Art de l'Université d'Amsterdam ait été hébergé à cet étage pendant plusieurs décennies. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'époque où l'Institut d'Histoire de l'Art était établi ici, appuyez sur A. Une toute autre ambiance.
s'asseoir sur le canapé à gauche. Cette pièce a été reconstituée à partir de fragments du tapis de sol et des revêtements muraux en tissu d'origine, telle qu'elle était à l'époque du couple Willett-Waldhuysen à la fin du XXe siècle. Le style est celui de ce que l'on appelle la néo-renaissance néerlandaise, qui renvoie à la mode du début du XVIIe siècle. Selon la tradition, c'est dans cette pièce qu'Abraham principalement recevait probablement ses bons amis en petite compagnie. Prenez le temps pour vous imprégner de l'atmosphère régnant dans cette pièce, si différente de celle des pièces du bel étage. On reconnaît clairement le style Renaissance au pied arrondi de la table et du meuble et l'utilisation du chêne enrichi ici et là d'incrustations d'ébène. Les murs et le plafond sont peints en imitation chêne. Les murs sont recouverts d'un tissu de velours rouge, appelé velours d'Utrecht. Les vitraux datent également du XVIIe siècle. Abraham Willett les a achetés spécialement pour cette pièce. Sur la base de l'inventaire de la succession de 1895, nous savons que cette pièce était la chambre à coucher du couple Willett-Waldhuysen. Cependant, l'intérieur était complètement différent à l'époque, avec un mobilier de couleur crème et blanche. Malheureusement, le premier conservateur du musée a vendu le tout aux enchères. Pour toutefois donner une impression de ce à quoi pouvait ressembler leur chambre, un ensemble de meubles de la même époque a été utilisé. Dans le coin à droite, derrière un paravent, se trouve la baignoire. Lorsqu'Abraham et Louisa vivaient ici, il n'y avait pas encore d'eau courante dans la maison, si bien que la femme de chambre devait porter des seaux d'eau chaude depuis la cuisine presque tous les jours. Nous savons qu'Abraham et Louisa partageaient ici un lit ensemble. Mais en raison de l'absence de lettres personnelles, nous ne savons que très peu de choses sur leur relation. Pendant longtemps, le roman « Souvenir impersonnel » publié en 1936 et écrit par le premier conservateur du musée, Franz Kuhn, a été une source importante d'informations. Talk about the past, the present, and the future.
archive things of the past 10 years. I think passing on our history and making our knowledge accessible is a crucial important.